Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, et aujourd'hui on va découvrir donc le jeu Fort Boyard 2022, hein, d'accord. Alors attention, vous ne courez pas avec celui-là, hein, d'accord. Là c'est le Fort Boyard nouvelle édition qui était sorti, là c'est marqué 2020 derrière la boîte, en 2020, voilà, ou... en gros. Là c'est la version 2022 avec beaucoup plus d'épreuves, et puis de... avec même un voyage dans le temps pour faire 6 épreuves à l'ancienne. Hein, je vais vous montrer comme ça vite fait. Ouais, bon, allez, on va passer un peu. Ah, vous voilà. Je vais couper. Ah, par contre, le charge. Ah, non. Voilà. Donc, on a l'aiguilleur, bras de fer, caserne, bascule. Bascule. Le bonto et coton-tige. Alors, on va tester. Je sais pas moi. Tiens, on va faire l'aiguilleur. Je me souviens de l'épreuve aiguilleur. Je sais plus ce que c'est. Un peu stressé, mais ça devrait aller. Vas-y, gros. Allez, c'est parti. Alors. Alors, amène la balle de l'autre côté du circuit sans qu'elle touche. Non, sans qu'elle tombe dans l'un des trous. Ok. Tourner les deux en haut, sur les deux en droit. Ok, ça marche. Allez. Et après, donc, on fait une aventure. Voilà, on va aller jusqu'au bout quand même. Il faut essayer d'aller jusqu'au bout. Alors, voyons voir. Oh putain, la gueule du bonhomme. Attends. Ah ouais, d'accord. Ah non, attends, ah oui, d'accord, mais la boule est de l'autre côté. Vite, 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 vite. Ah, merde. Ah, purée. C'est chaud, ça. Voilà, impeccable. Ça. Alors non, on recommence pas évidemment, on va pas refaire le... Alors par contre, vous pouvez jouer donc tout seul à 4 joueurs. Mais je pense que ça sera chacun son tour, hein. Ça m'étonnerait que ça soit en même temps. Alors vous pouvez faire de la coopération ou un mode versus. Hein, si vous voulez être contre les autres joueurs. Donc là, je vais pas vous montrer le mode multijoueur. Non. On va faire le mode aventure. Allez, on revient en arrière. Alors, vous avez Boyard Party, hein, pour faire évidemment, vous voyez, coopération versus, hein, contre les autres joueurs. Ah, l'entraînement vous permet, vite fait comme ça, hein, bon, la solo, voilà, de vous entraîner sur tous les jeux, voilà, du jeu, en fait. Toutes les épreuves du jeu, voilà, c'est mieux. Voilà. Allez, on va faire une aventure. Ouais, je vais dire moyen, mais... Ouais, on va rester en moyen. On va faire courte. Un joueur. Ouais, on va pas s'embêter. Allez, on va prendre. Ouais, tiens, allez. À nous deux, Perfoura. Oui, on s'en fout, allez. De toute façon, il y a 4 bonhommes. Oui, paf. Il y en a pas d'autres. Par contre, dans l'émission, c'est pas 4 joueurs, ils font plus. Hein. Les justiciers de la rue. Je sais pas si vous pouvez choisir le nom d'un scarabée. Les candidats arrivent. Ils pensent pouvoir s'emparer de mon trésor, mais je leur réserve une petite surprise. Chacun d'eux va être soumis à différentes épreuves. À chaque victoire, ils recevront une clé. S'ils obtiennent assez de clés, ils auront accès à la salle du trésor. Mais s'ils pensent pouvoir gagner ces clés, ils se fourrent le doigt dans l'œil. On va commencer en beauté. Bon. Alors si jamais vous faites une partie donc moyenne ou longue, bah, ça sera pas marqué 3 clés. Ça sera marqué un peu plus. Alors, ouais, allez go! Tu te sens prête? Un peu stressée, mais ça devrait aller.
Mais oui, ça va le faire. On a confiance en toi, tu vas l'avoir. Allez, j'y vais. Courage, ma belle. Le truc est complètement surjoué, quoi. Alors, ralentis la clé de façon à pouvoir la récupérer en lançant l'obus à la bonne puissance. Alors, charger la puissance, appuyer successivement, ok. Pareil, et lancer l'obus. Je sens que ça va être classe purée, ça. Ah ouais, puis il faut lancer au bon moment en plus. Alors, je ralentis le temps. Allez, vas-y. Ah oui, d'accord. Donc je charge comme un gros ouf. Et je lance l'obus. Oh, du premier coup, purée. Les mecs, ils ont même pas eu le temps de m'encourager. Ah bah tant mieux, ça m'arrange. Bon. Eh bah ça se fait. Alors Arthur peut aller se rhabiller. T'es la meilleure! Allez go, la prochaine nous attend. Bon. Bon, trois épreuves pour les clés. Après, il y aura trois épreuves pour les indices. Normalement, si tu as trois clés, je parie qu'ils vont me faire trois indices, obligé. Alors, vise le panier pendant la phase de shoot et gère ta puissance pour pouvoir mettre le ballon dedans. Ça, dès qu'on me parle de jauger. Allez. Allez, c'est parti, détends. Alors, là. Oh, ça va, du premier coup. Enfin, un coup de bol. Alors, à la moitié. Oups, désolé. Allez, deuxième. Putain. Ah, merde. Ah, non, ouais. Non, pas comme ça. Allez. La dernière. Si je la rate, c'est foutu. Allez. Oh, purée. Perdu. Bien joué quand même. Bien joué quand même, mais... Mais on sent en arrière que... Bien joué quand même, mais t'aurais pu faire mieux. Là, tu réponds au maître, bah t'as qu'à le faire. Fort Boyard, c'est bien, mais quand vous entendez les mecs, vous voyez, comme ça, dire « Ah, oh, t'as bien joué quand même, machin, tout. » Mais dans leur tête, on a l'impression que eux, ils auraient fait mieux, quoi. Alors, c'est quoi, ça? Bon, attends, on va accélérer un peu. Alors, frappe la bonne cible... Attends, frappe la bonne cible avant ton adversaire, appuie plusieurs fois pour accélérer le mouvement. Alors, le coup de pied. Ah ouais, attends, coup de pied gauche, coup de pied droit et coup de pied au milieu. Ah bon, ça va, c'est des touches qui sont à droite et à gauche, ok. Ça marche, allez, vas-y. Non, je me rappelle plus. J'appuie sur cette ciment, non? Je sais plus. Ça va, les chargements, ils sont pas trop longs. Appuie plusieurs fois sur la touche pour frapper plus vite. Ah oui. Alors attends, vas-y. Super, ça en fait un. Ouais. Ok. Là par exemple, bon, versus. Ah d'accord, j'avais pas vu que en fait on avait une joueuse d'endurance. De ah ouais, j'avais pas vu ça. Ah bah oui, là, je suis tué. J'arrive plus à suivre. Bon, attends, je suis obligé d'attendre. Ah ouais, je suis con, j'aurais dû minimiser mes forces en fait, mais je pensais pas à ça.
Attends, non, non, mais je suis obligé d'attendre parce que sinon... Vous vous en êtes plutôt bien tiré. Bon courage pour la suite. Vous en aurez besoin. Bah oui, moi on me dit d'appuyer comme un malade, j'appuie comme un malade. Ah, il y a une jauge d'endurance, je savais pas. Ça par contre, c'était pas marqué. Bon, on a toujours deux clés sur trois. Allez. T'es prête? Oui, ça va le faire. Vas-y, ma belle. Allez, tu reviens pas sans la clé. Bonjour, la pression. Tracasse, tu vas gérer. Allez, c'est parti. Alors, dépose un ballon dans chaque panier au bout du tapis roulant. Putain, non, ça va être chiant, ça va être là. Alors, je cours avec les gâchettes, je déplace à droite et puis je tends le bras. Ok. Oh. Allez. Cours jusqu'au panier et place-y 4 ballons. Bon, ça va le faire. Allez, c'est parti. On court comme derrière un golo. C'est bon. Hop, allez, on part en arrière. C'est bon. C'est pas trop compliqué. Allez, on va complètement à droite. Hey, concentre-toi. Ah merde. Allez, le pontage. Ah, j'arrive pas. Allez hop, la dernière. Oh l'autre est là. Tu te dépêches là. Allez hop. C'est bon. On a nos trois clés. Mais maintenant, il faut les indices. C'est pas encore terminé. Bon, c'est bien d'avoir mis en moyen. T'as été rapide comme l'éclair. T'as assuré là. Allez, go, la prochaine nous attend. Passepartout, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les candidats ont obtenu assez de clés pour entrer dans la salle du trésor. Heureusement, il leur reste à résoudre l'énigme du fort. Pour ça, il leur faudra des indices. On va leur proposer 4 épreuves. Chacune leur donnera un indice en cas de victoire. Mais s'ils échouent, ta-ta-ta, pas d'indice. Et sans indice, pas de trésor. Ça rassure. Oh non, pas cette épreuve-là. T'inquiète, ça va aller. Je le sens pas, j'aime pas cette épreuve. Pense à l'indice. Ok, je vais faire de mon mieux. Allez, ma belle. Ah, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment surjoué. Bon, place les balises dans l'ascenseur de l'autre côté du tourniquet. Qu'est-ce que c'est cette épreuve? Main gauche, main droite, lancer les balises avec... Ouais, sauter, baisser, sauter, baisser. Alors, je connais pas celle-là. Faut dire que maintenant les fourboyages, je les regarde pas des masses. Moi c'était ceux d'avant qui me plaisaient. Là je trouve que ça a un peu trop changé. Allez, courage. Alors attends, donc ça et là. Attends, non, hop, 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 j'y vais. On se baisse. Oh les vaches. Oh, te fous pas de ma gueule toi. Hop, allez. Ah la vache. Attention. Allez, hop, tac, une autre valise. On y va. Bon ça va, ça s'arrête. Bien joué, retourne chercher des valises. Oh, merde. Attention. Allez, oh. Relève-toi. Maintenant je vais rester à quatre pattes. Attends, on attend que ça passe. Hop. Ah oui, très bon, très bon. C'est bon, j'ai...
Impeccable. Premier indice. Elle se tient toute seule dans son coin. T'as cartonné grave. T'as raté ta carrière de bagagiste, toi. Allez, go, la prochaine nous attend. Voilà. Bon, encore deux indices à avoir pour arriver au bout. La scène qui sert à rien. Passer directement à l'épreuve, non? Un peu stressé, mais ça devrait aller. Allez, Audio, tu regardes pas sans l'indice. Bonjour, la pression. Tracasse, tu vas gérer. Allez, c'est parti. Alors, ils ont pas beaucoup de phrases, hein. C'est toujours à peu près la même chose. Alors, je reste en équilibre, puis brise la sphère pour récupérer l'indice. Oh. Alors, ouais, et frappe, ok. Ok. Allez, c'est quoi ça? Lorsqu'il se calme, ok, ça marche. Allez, je suis prêt. Alors. Ah oui, d'accord, faut. Ah oui, ok, faut juste cliquer au bon moment. Super, ça en fait une. Ah, on peut pas. Hop. On peut pas taper plusieurs fois. Tu vas y arriver. Merde, j'allais me louer. Allez, concentre-toi. Oh, la ferme. C'est pas vrai. Comment tu veux te concentrer avec des couillons pareils? Ah, je l'ai, c'est bon. Non mais, comment tu veux... Oui, bon, allez, hop. Comment tu veux te concentrer quand t'as un rigolo qui te dit « Allez, vas-y, tu vas y arriver, je ferai mieux que toi, allez !» Non, mais la seule chose que t'as envie de lui dire, c'est « Mais ferme-la, crétin !» Génial, t'as réussi! Quel sens de l'équilibre! Allez, go, la prochaine nous attend! Bah oui, c'est eux qui te déconcentrent. Quand je regarde Fort Boyard, c'est ça que tu me viens à l'esprit à chaque fois que t'entends ça. Ils ont réussi l'épreuve. Qu'à cela ne tienne. Ils n'ont pas encore gagné. Ils me diront des nouvelles de l'épreuve qui les attend à présent. Par la momie. Alors comme je vous dis, je regarde pas les Fort Boyard depuis un long moment. Alors moi, les nouvelles épreuves, que dalle. Résoudre l'énigme avant de te faire transformer... avant de te faire momifier, quoi. Alors, accélérer la phase de réflexion et valider une réponse. Et c'est le signer une réponse. Ok. D'accord. Donc il y a une phase d'abord où je dois réfléchir et ensuite j'appuie pour trouver. Hein, c'est ça? Ou j'accélère pour aller plus vite, c'est ça? Bon, déjà on va écouter son énigme. Allez, courage! Ça va aller! Forêt de piliers, de béton, d'acier, j'héberge mes résidents enfenêtrés. Dans la jungle urbaine de nos sociétés. Oh bah ça va être un immeuble ou... Un immeuble ou une connerie comme ça. Alors attends, donc j'accélère. Oh la vache. Wow, jardin, souterrain, labyrinthe, ville, étage. Bon, ville, allez. Eh oui, c'est exact. Ouais, c'est ça. Bien joué. Ah, j'avais dit immeuble, hein, mais bon... là, je voyais pas... L'étage, non. Oh, c'est l'heure de l'épreuve du conseil. J'ai hâte de commencer. Les candidats ah ouais, vont le tenter de gagner du temps supplémentaire pour la salle du trésor. J'espère que les maîtres du temps sont en forme. Oula, c'est quoi ça? Retiens... Oh non, purée, non, retiens la séquence de couleurs. Alors non, mais alors... Ah non, mais attends, mais moi j'ai une mémoire, mais j'ai une mémoire de merde, là, c'est tombé. Sélectionner une solution, modifier la couleur. Oh purée, ah non, mais ça, c'est même... Bon, je vais tester, mais franchement, là, ça... Ou alors je note.
Non, je note pas, allez, je le fais. Voici bah, voilà. Votre duel. Vous allez devoir le mettre à vous. Séquence de couleurs. Mémoriser la séquence de couleurs. Oh non, mais même pas, quoi. Vert, c'est bon. Ah, je connais pas ça. Rouge, bleu, rouge, rouge, vert. Rouge, bleu. Rouge, bleu. Rouge, rouge, vert, rouge, vert, bleu. Oh putain, non, je. Rouge, bleu, rouge, rouge, vert. Ouais, bon, allez, vas-y, passe parce que le temps il est bientôt fou. À vous maintenant de la reproduire vert, sans faire rouge, d'erreur. Rouge. Voyons, voyons. Merde. Non, c'était bleu. Oh, je sais plus. Non, j'en sais rien, je sais plus. Vous êtes sûr de vous? Non, c'était un bleu. Ah, merde, pas là. Oh, oh, non, c'est rouge, rouge. Rouge, bleu, rouge, rouge. Non, c'est vert. Oh, j'en sais rien du tout. Mais alors, rien du tout. J'en sais rien. Bon, vas-y, je vais jusqu'au bout. Hein. Non, j'en sais rien, je sais plus. Voyons, voyons. J'en sais rien. Bon, allez, laissez tomber, hein, c'est foutu. Vérifions tout ça. J'en sais rien du tout. Vas-y, il semble que vous ayez commis une erreur. Non, mais je suis nul là-dessus, hein, à zéro. Vous avez perdu la sortie, c'est par ici. Maître, je savais que je pouvais compter sur vous. Merde, j'ai du temps en moins. Enfin, j'ai pas gagné de temps, quoi, en fait, compte. Bon, comme on est en courte, il y en a une autre ou ça s'arrête là? L'aventure non. Touche à sa fin. On a qu'une seule. Et il reste une dernière épreuve. L'énigme du fort. Grâce aux indices récoltés, les candidats vont devoir tenter de trouver la... Ils peuvent tous... Je passe, hein. Voyons s'ils vont... Allez, zou. Vas-y, magne-toi. Je suis déçu. Trouve la solution à l'énigme. Oh voilà, là laisse tomber. Alors, se déplacer, ouais, ramasser des boyards, retour. Ouais, non mais d'abord il faut que je trouve la solution à l'énigme. Et puis en plus j'ai du temps en moins là, en plus. Enfin j'ai pas gagné de temps plutôt. Puis je sais que je peux sacrifier du monde normalement. J'ai 2 minutes, putain. Alors, cirque, téléphone, matricule. Numéro. Bah, numéro. Ça peut pas être autre chose. Numéro de cirque, numéro de matricule. Et l'autre, je sais plus ce que c'était. Numéro de. Je sais plus. Bah, logiquement, c'est numéro. Oups, c'est bon, impeccable. Impeccable. Oh merde, vous avez pris toutes les places. Allez, comment ça se marche? Ouais, impeccable. La seule chose qui est intéressante dans le jeu, c'est la musique. J'adore la musique de Fort Boyard. Je pourrais l'écouter en boucle tellement que j'adore. Allez, on y va. Hop, voilà, ça y est, hop, hop, hop. Un petit peu, ça se remplit vite, hein. Allez, hop. Ah ouais, moi je kiffe. Je jouerai au jeu uniquement pour la musique. Hé, hey, fais attention. Oh l'autre, elle me rentre dedans. Hein. Oups, désolé. Le petit est con. Mais il est vraiment... C'est vraiment une vraie. Vas-y, j'ai le temps. Hey, tiens, bah, ça t'apprendra. T'avais pas déjà me rentrer dedans. Allez, vite, 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 vite. Plus de 10 secondes. Allez, on va y arriver. Bon, allez, tant pis, allez. Vas-y, 3...
Oh, PK, je suis passé quand même. Alors par contre, est-ce que elle l'a mis dedans? C'est moins sûr. Et on a 11 122 boyards. Pas mal. Les justiciers de la rue. Par contre, je sais pas ce que ça fait un boyard en euros dans l'émission. Je sais pas du tout comment ça se passe, ça. Putain, je sais pas si je peux le savoir. Attends, vas-y. On va regarder. Ils sont donc parvenus à résoudre l'énigme du fort. Ma foi, je dois m'avouer vaincu. Ces candidats étaient vraiment doués. Il faudra que je pense à rendre toutes ces épreuves plus difficiles. Mais bien, félicitations, vous avez bien mérité ces boyards. Attends. Vas-y, juste pour voir comme ça. Alors. Ouais, combien vaut un boyard? Tiens, ça on va voir. Hein, là j'ai 11 122. Ils le disent pas? Ils le disent. Ils le disent pas. Bon, en tout cas, voilà, on a terminé. Donc on a fait une partie mode aventure de Fort Boyard 2022. Hein, surtout, vous ne trompez pas. Hein, parce qu'il y a une autre version. Une autre version. Hein. De toute façon, c'est simple. On voit pas. Hop. Voilà, cette version-là, comme vous voyez, elle est d'une couleur, on va dire, or orange. Hein, et l'ancienne version, elle est de couleur bleue. Voilà, une couleur bleue. Et puis de toute façon, dessus, c'est marqué nouvelle édition. Puis celle-là, c'est bien marqué 2022. Voilà. Il y a de la musique là ou... Oui. Enfin, un tout petit. Bah tiens, je laisse le générique. Non, allez. On va se mettre sur... Alors, on va se mettre sur le menu principal. Donc, en attendant que ça se mette dessus. Le prochain coup. Alors, on est le 25 aujourd'hui. Le 29, ouais, c'est ça. Mercredi 29. Alors, voilà, comme ça je laisse le machin, ça apparaîtra là sur le côté, d'ailleurs je sais même pas où va être ma caméra, j'ai pas fait gaffe. Bon alors donc, par là, peu importe, parce que je sais pas où ma caméra va être située, vous aurez le jeu Barnfinder, qui est un jeu, comme on voit un truc américain, là, comme le Storage Wars, comme par exemple ceux, alors je sais pas comment ça s'appelle ça, mais ceux qui achètent, tout, vous savez, qui doivent raser la propriété, mais tout ce qui est dedans, ils récupèrent, hein, c'est pour eux. Donc voilà, ça sera ce genre de jeu là qu'on va donc découvrir le 29. C'est ça, c'est le 29. Oh, bah, je regarde pas, hein. Bref, de toute façon. Donc la prochaine fois. Voilà, sur ce, je vous souhaite donc un bon jeu. Non, je me suis planté en disant une connerie. Bref, je vous souhaite donc une bonne journée, un bon jeu et à une prochaine fois. Salut!